Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce 30e épisode de ce Let's Play de Phoenix Wright Ace Attorney CTGF. Dans le dernier épisode, nous avons commencé l'aventure avec le dernier procès avec Mademoiselle Di Vasquez, qui nous disait qu'on pouvait trouver une nouvelle arme du crime. Enfin, justement, on se rend compte que le sabre laser n'est pas l'arme du crime. Mais justement, le juge nous demande alors, très bien, demandons-nous, découvrons alors cette arme du crime dans ce cas. Et l'arme du crime, c'est cette fence en acier qui a déjà tué quelqu'un il y a 5 ans. Donc on va y aller maintenant. Regardez cette photo. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Jack Hammer debout sur les hauts de l'escalier. Mais j'ai de mal fait la voix de off. Silence, silence. Silence, tiens le silence, je suspends la silence. Monsieur Wright. Qu'est-ce que ça signifie? Cette photo a été prise il y a 5 ans. Non, cette photo a été prise il y a 5 ans. Un malheureux incident s'est produit à Global Studios. Cette photo illustre précisément cet incident. Cette histoire n'est pas sortie du mur du studio. C'était un secret bien gardé. Quel rapport avec l'affaire en cours? Monsieur Hunter, vous ne comprenez donc toujours pas? Vous voyez l'homme sur cette photo? Comme le grillage a transpercé son torse? Quoi? Vous prétendez que... Oui. Ce qui s'est produit il y a 5 ans. A de nouveau eu lieu! Anime Spin, let's go! Exclamation point. Monsieur Wright, poursuivez! Il est 14h30, le jour du meurtre. Madame Di Vasquez rencontre Jack Hammer devant le mobilium du studio 2. C'est là qu'elle le tue. Elle pousse Monsieur Hammer dans les escaliers tout droit dans le grillage. Exactement comme l'avait fait Monsieur Hammer il y a 5 ans. En revanche, je ne saurais dire si son acte est volontaire et non, ou pas. Ah, elle commence à être stressée. En d'autres termes, la victime, Monsieur Hammer, il est mort de la même façon qu'un autre dont il avait lui-même provoqué la mort. Il y a 5 ans! Précisément. Ironique, n'est-ce pas? Oh, beaucoup d'imagination, Monsieur Wright. Vous pouvez m'être utile pour l'écriture de scénario. Vous prétendez que ce que je dis est faux? Monsieur Wright, disons pour l'intérêt de la discussion que Monsieur Hammer est bien mort dans le mobilhome. Mais le corps a été retrouvé dans le studio 1, non? Dans le costume du Shanker, qui plus est. Vous prétendez donc que j'ai transporté le corps jusqu'au studio 1? Et que je suis revenu au mobilhome tout ça en moins de 15 minutes? Comment aurais-je pu me débarrasser du corps? La pause au mobilhome a duré un quart d'heure. Non, la pause au mobilhome a duré un quart d'heure, de 14h30 à 14h45. Jack Hammer aurait-il pu être poussé dans les escaliers? Son corps transporté au studio 1, puis vêtu de son costume? Elle n'aurait jamais eu le temps. En effet. Eh bien, Monsieur Wright, qu'a-t-il pu faire du corps? Facile. Là aussi, parce que, tout simplement, on a le van. Le van que Salmonello a utilisé pour ramener Vasquez au studio 1 après la réunion. Il y a largement la place pour, justement, déplacer le corps dans le van, attendre qu'il finisse la réunion, qu'ils aillent au studio 1, qu'ils posent le truc, etc., etc., vu que le corps a été trouvé à découvert à 17h. Voilà. Donc, elle a trouvé un autre moyen. Et si elle avait utilisé autre chose que ses propres mains pour transporter le corps? Par exemple? En fait, elle n'avait pas besoin de 15 minutes pour commettre son crime. Et vous aviez un autre moyen pour transporter le corps. Intéressant, nous vous écoutons. Monsieur Wright, veuillez nous indiquer comment elle a transporté le corps. Comme je vous ai dit, c'est le fourgon. Ou le van. Madame Vasquez, vous avez transporté le corps jusqu'au studio 1. Et pour cela, vous avez utilisé le fourgon du studio.
Rappelez-vous de votre disposition. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on était allé au studio 1. J'étais fatigué, donc je demandais à Sal de m'y emmener. Il y avait un fourgon sur place, alors je demandais à Sal de me conduire au studio. Vous avez utilisé le fourgon pour transporter le corps jusqu'au studio 1. Puis, avant que tout le monde arrive, vous avez habillé la victime en juge Shanker. Objection! Une petite minute, right? N'oubliez pas que c'est Salmonello qui conduisait le fourgon. Vous vous sentez qu'il y a donc ce Monello était complice? Bien sûr que oui, puisque... Alors, je vous expliquais bien sûr que oui ou bien sûr que non. C'est bien sûr que oui, tout simplement parce que, comme Mademoiselle Eichwood avait dit, le réalisateur Monello était une sorte de petit chien à sa mémère pour Madame Vasquez, donc bien sûr que oui. Bien sûr, Salmonello était forcément complice. Il a fallu placer le corps dans le fourgon, puis le glisser dans le costume. Madame Vasquez n'aurait jamais eu le temps de faire ça tout seul. Et puis, n'oubliez pas qu'il devait se débarrasser du costume samouraï d'acier. Ils étaient bien obligés, car le costume était couvert du sang d'amour. Ils l'ont probablement brûlé dans ce petit incinérateur. Alors, Madame Vasquez, je continue? Pas la peine. Vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air, Monsieur Wright. Je perds. Vous gagnez. C'était marrant. Je gagne. Et psy, c'est... Ok. Moment de silence dans la cour. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne me faites pas le coup du point d'interrogation. Vous n'avez donc rien à dire? Qu'est-ce que vous aimez entendre? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Hein? J'ai perdu quelque chose dans le genre? Je viens de le dire. Attendez, vous voulez dire? Dis Vasquez, alors c'était vous? Vous avez été Monsieur Jack Hammer? Mais arrêtez les moments de silence dans la cour! Arrêtez! Qui peut le dire? Hein? Êtes-vous sûr que je l'ai tué? Monsieur Wright? Nous en sommes affrontés pour savoir qui de nous deux était le plus malin. Résultat, vous avez prouvé qu'il était possible que j'ai tué Monsieur Jack Hammer. Exact. Mais il s'agit que d'une possibilité. Parmi de nombreuses. Et une preuve, c'était tout à fait différent. Vous n'avez pas de preuve irréfutable, Monsieur Wright. Quoi? Silence! Monsieur Hunter, votre avis? Bien sûr, le témoin a raison! Bien entendu, tout semble à désigner comme coupable, mais il n'y a aucune preuve! Hunter n'en est pas sûr. Alors? Je suis venu ici en tant que témoin. Si vous n'avez plus de questions, je m'en vais. Ah non, qu'est-ce que je fais maintenant? Témoigner de nouveau. Parce que ça sert à rien en fait, ça sert à rien de... Les autres questions, pas... voilà. Je voudrais que vous témoigniez à nouveau. Témoigner encore. Sachez abandonner, Monsieur Wright. Réfléchissez. Même si je témoigne à nouveau, quel serait l'intérêt? Je ne peux rien dire de plus que tout à l'heure, la vérité, Monsieur Wright. Je l'ai dit tout ce qu'il avait à dire. À quoi ça servirait que je le redise? Vous poseriez les mêmes questions, obtiendrez les mêmes réponses. Du temps perdu. Mince. Mince! On arrivait là pour finalement échouer! Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Je mets donc fin au contre-interrogatoire du témoin Mlle Vasquez. What? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Benjamin? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Magnifique histoire, mais là je comprends pas là. What the hell? Mais pourquoi tu viens nous aider là? Pourquoi tu viens objecter? Oui, Monsieur Hunter.
J'espérais qu'une objection me permettrait de trouver une question, votre honneur. Mais ce n'est pas le cas. Ouais, merci. Merci, mon gars. T'as pas fait grand-chose, mais bon, tu m'as aidé quand même. Je vois, très bien. Objection! Oh putain! Oh mon dieu! Votre honneur! Je demande que le témoin fasse une nouvelle déposition. Vous représentez l'accusation, non? Pourquoi me harceler? Je suis votre témoin! Allô? Je voudrais juste réentendre votre témoignage. Cela vous paraîtrait une bonne idée, votre honneur? Je ne vois pas l'intérêt de ressasser ce qu'on a déjà vu. Monsieur Dur, moi non plus, je ne vois pas en quoi ça pourrait nous avancer que Mademoiselle Vasquez serait bête. À quel propos vous souhaiteriez-vous qu'elle témoigne exactement? Eh bien, oui, En effet, en vérité, par conséquent, je souhaiterais entendre ce qui s'est passé après la découverte du corps. Après la découverte du corps? Très bien. Le témoin est prié de décrire à la cour ce qui s'est passé à ce moment-là. Nick, pourquoi Hunter? Qui sait? J'en sais rien, moi. Il s'est peut-être rendu compte lui aussi que c'était elle la coupable. J'en sais rien, moi. Parce que moi, je comprends pas pourquoi il est venu d'un coup, il a dit objection, je ne comprends pas. Voilà. Mais, c'est pas lui qui disait toujours obtenir un verdict coupable? Après tout ça? Hunter, pourquoi t'es là? Pourquoi t'as fait objection? Bah merci quand même, ça permet d'avoir un dernier témoignage peut-être. Après découverte du corps. J'étais avec Sal et Chouette, la dame de la sécurité, quand on a découvert les corps. L'assistante était là aussi, il ne manquait plus que l'onté. J'ai tout de suite appelé la police, puis l'onté s'est pointé. La dernière était dans tous ses états. Elle a dessiné l'onté en disant « C'est lui !» J'ai demandé à ne pas être mêlé à la suite des opérations. Je suis retourné au mobile home pour reprendre mon script et mes notes de mise en scène. Puis je suis rentré chez moi. C'est pas normal qu'elle n'ait pas été questionnée même si elle a été le jour, l'heure du meurtre. C'est pas normal. Ce témoignage ne soulève aucun problème selon moi. Monsieur White, votre contre-interrogatoire. Votre contre-interrogatoire, excusez-moi. Ok Nick, on est tout prêt, vraiment tout prêt. Peut-être jouer au plus fin maintenant. Mais si tu arrives à la déstabiliser, elle va forcément se planter. Trouve l'élément clé qui te manque et tire-lui l'hiver d'une énigme. Ouais. Contre-interrogatoire, après découverte du corps. J'étais avec Sal et Chouette, la dame de sécurité, quand on a découvert les corps. L'assistante était là aussi, il ne manquait plus que l'onté. J'ai de suite appelé la police. Puis l'onté s'est pointé. La gagne était dans tous ses états. A désigné l'onté en disant que c'est lui. J'ai demandé à ne pas être mêlé à la suite de les opérations. C'est pas le cas. Pourquoi? Vous avez demandé à ne pas être mêlé? Oui. Tout le monde a été interrogé. Et je ne suis pas vraiment adepte de ce genre de choses. Mais vous ne pouvez pas décider qui la police peut ou ne peut pas interroger. Heureusement pour moi, le personnel du studio ne pense pas la même chose. Ils ont été suffisamment gentils pour comprendre que, puisqu'on était en réunion, il était impossible qu'on soit impliqué dans cette histoire. Donc ils nous ont couverts. Ils vous ont couverts, mais de quoi? Il a dû s'en rendre bien des choses avec tous ces gros bonnets à la réunion. Ces experts ont dû convaincre tout le monde qu'il était inutile de l'interroger. Je suis retourné au Milhomme pour reprendre mon script et mes notes de mise en scène. Le script et vos notes de mise en scène? Oui, des éléments très importants. Je n'aurais pas voulu qu'on me les vole. J'imagine que non. On insiste. Une petite minute. Je croyais que vous étiez allé au studio 1 pour une répétition générale. Alors pourquoi ne vous avez pas appris le script et vos notes de mise en scène avec vous? Eh bien, j'avais le sentiment qu'on ne pourrait rien de répéter du tout. Et là, il vient de se trahir parce que. Comment elle pourrait savoir ça? Comment elle pourrait savoir ça? Voilà. Je crois pas comment elle pourrait savoir ça, c'est une question. Et on va continuer. Pourquoi? Quand même, un meurtre avait eu lieu. Qui aurait pu répéter après ça? Ah oui, je comprends. Très bien, madame Vasquez. Veuillez poursuivre. Et on va s'arrêter là. Objection, votre honneur. Et on va s'arrêter là. Et le prochain épisode sera la fin de ce procès, puisque je sais après quand ça se termine. Et on se retrouve bientôt
pour la suite de ce Let's Play épisode 31. C'était TGF, stay tuned!